J'ai toujours soupçonné l'homme trouble d'avoir ses propres motivations, mais là, je pouvais pas être d'accord avec lui. On avait arrêté les récolteurs. On pouvait trouver une façon d'arrêter les moissonneurs sans sacrifier notre moralité pour y parvenir. On rasa la base complètement, avant de filer par le relais Oméga 4. La mission était terminée, mais la réussite nous avait coûté cher. On avait perdu la moitié de l'équipe. Mais au moins, on a pu secourir l'équipage à temps. Et finalement, on a empêché les moissonneurs de fabriquer une abomination humaine moissonneuse. Et on a gagné un peu plus de temps. Si seulement on avait plus de temps. Les moissonneurs arrivent quand même. Chaque jour, ils se rapprochent. J'ai remis toutes les informations dont je dispose sur les récolteurs et Cerberus aux huiles de l'Alliance. Ils ne savent pas trop quoi en faire, mais au moins ils m'écoutent. J'espère qu'ils sauront agir, et vite, avant que nous n'ayons plus le temps de rien. Ça se présente comment ? Mal. On vient de perdre le contact avec deux avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. C'est ce que Shepard avait prédit ? J'y mettrai ma main au feu. On a combien de temps ? Très peu. J'ai donné l'alerte. Une flotte se mobilise. Croisons les doigts. Commandant. James, vous n'êtes plus censé m'appeler comme ça. Ni censé vous saluer, commandant. Allons-y. Le conseil de guerre aimerait vous rencontrer. Ça semble important. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Ils veulent vous voir, tout de suite. Anderson. Amiral. Vous avez l'air en forme, Shepard. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions ? Que voulez-vous ? Un bon lit et des repas chauds ? On s'habitue vite. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi cette agitation ? L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Les moissonneurs ? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Quoi d'autre sinon ? Si je le savais...
si vous avez raison, vous savez qu'on est loin d'être prêt. Dites ça au comité de défense. Le comité ne sert à rien, à moins de vouloir tuer les moissonneurs à coups de parole. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Vous avez affronté les moissonneurs et même communiqué avec l'un d'eux. Vous avez été témoin du sort qu'ils nous réservent. Vous en savez plus sur cet ennemi que n'importe qui. C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau. Vous savez que c'est faux. Pour vos conneries, n'importe qui aurait été condamné en cour martiale. C'est votre connaissance des moissonneurs qui vous a sauvé la peau. Mais vous m'avez